Non, franchement. Naram Falari, tout ce que j'ai Non. dit, tout ce que j'ai dit ici, tout ce que j'ai dit, Non. Naram Falari, Blondie Kamoulé. Non. C'est contre Abirimfang. Mais Ibarasigisa. Et si il a un safé. A quelque moulé là. Abirin. Mais il a fait Kerenankolo. La Guinée K. Au premier au 30e. Kaoulé Fala. Alpha Condé Hawaniram. Alpha Condé Hawaniram. Naram Falabi. À nous, à Thomas, la Guinée Kébra est un Alpha ou le Dunia Birim, voilà la Guinée Kébra. Mais c'est-à-dire que Hali du reportage qui m'a ramené la Guinée Kébra, ils vont rien comprendre. Moi, je ne vais pas les dire, c'est les moutons. Non, nous avons notre enfant, ma mère et ma mère. Voilà. C'est tout ce que nous avons fait. Il était fait tout. Ni subi mané. Allez, moutons, on a subi mané. Maintenant, objectif dans la Khanna. Objectif dans la Khanna. La Guinée Kabiringa Kolonto. Alpha. A Wenyo Fala. A Wulidam Fala, ma la Guinée Kabé. Objectif nanana. Et ils n'arrivaient pas. Ils ont eu tellement de massacres. Le massacre n'a rien à qui. Et ça n'a pas sari. Mais il n'a rien à OK. Bon. À nous, à Fanadène, à qui sont non. On va les laisser faire. Voilà. Étant solution. Ah, Baba. Quand tu dis la vérité, on ne t'aime pas. Il faut les payer. Fuiri, ça refait où les. Élection C'est un Nahanaba. malinké qui parle comme ça, hein? Oui, C'est un malinké qui parle. attends, l'élection qui C'est a un été malinké faite. patriote qui aime la Guinée. Que nous, Maninkakwe, erreur, mais. Erreur. Kumakam Nia malinké fois l'inien. Aïssa Nine. Ils ont été payés. C'est ça qu'ils sont en train de récolter aujourd'hui. Ma colonne Fala m'a dit, Maninkakwi. Aloussani, c'est-à-dire que, en la présidente Kalissan, élection Wari Mena, Malo même Bewana Luma, Alka Malo Oleye, Aï Malo Menye Okoma. C'est à la fin, ils l'ont compris. Et il n'y a plus de machine en arrière. Al kanko la Guinée ka kiba wi a falini al ye wi ale la mela al te tunya la mela be ye wari le dila mo ma bi men ye tunya fala ko ko nani al ye nani tanke al ye nani alfa konde an ta sarala ko dir a ma fanen tu io men bi nani e kana nani e si yo ko Partagez mama dans les lives, les groupes, partagez. e si ya ma fanen Alpha Condé le fanan keto le fanan nani na. Amafoko la Guinée ka c'est des tortues. Et le même fanan yo kuma la te la Guinée ka ma fuma tie toi tu es une tortue. Yo. Mon ma dekou eh ben ita sera là yi. Al koko bakside al koko kal diferenciaman lo la Guinée ainsi de suite. Kabon lo la Guinée ka hôtel lo la Guinée ça veut dire quoi ça? Les Guinéens, ils souffrent. Allez, bon, la bola, cabra, menlo. Mais Baloko est dit la Guinée. Le seul problème qu'il y a en Guinée, Konko est mort là. Elle doit voter ni moi, mais en calito au mon boulot. À la fin, il y a conséquence, c'est là. À lui, il a conséquence, c'est là, Boutou.
Moi, je préfère aujourd'hui que Alpha Condé aille frotter Kalé Nyarobi. Moi, je suis prêt qu'il mette le piment dans leur jeu. Moi, je suis. N'est-ce Maintenant, il ira région Mindara. Ne la région, ne Kerewa, ne Kerewa, Kerewa n'inka le nedi. Kerwani. Ne Konyaka. Konyaka, ok, Konyaka, ça va, c'est bon, Abirin Kere. Maintenant, non, voilà fait. Qu'est-ce que Alpha Condé a fait pour Kerwani? Il y a quelque chose qu'il a fait là-bas? Franchement, parce que n'teye naka bon loye malon naka wari di le mol maye ko ka fo ale voter nge anko fanan lon ne fanan fanan brake mais nko réalisation pour la population, c'est de ça que je parle. Parce que ça, c'est quelque chose qui ne se cache pas. Par exemple, s'il a construit un centre de santé ou une école, c'est des choses qui ne se cachent pas. Non, ben, celui-là, bon, c'est ça... des choses qui vont, qu'on va toujours dire, ah, ils ont construit tel centre de santé, ils ont construit telle école. Hey. Donc, ben, maintenant, est-ce que depuis qu'il est au pouvoir, vous avez entendu qu'il a fait ceci, quelque chose comme ça là-bas? Enfin, à la connu côté, tu sais quoi, oui, à Fouyena. Il y a même Béyena Facebook. Il y a Béyena Molé, maintenant, dans la Facebook. Moi, ça s'arrête là. Ok. Ne te fouille, Magnin Kala, ni Alpha Condé, Coco, Aya Feka, que Nestor Mandela dit de la Guinée. La première des choses qu'il devrait faire en Guinée, moi, personnellement, je ne suis pas contre parce qu'il est président. Là où je suis contre, c'est là que je vais lui dire. Moi, je ne l'insultais pas. Ce n'est pas une question d'insulte. Parce que quand tu vis en Europe, de ce qui est nous sommes des Européens, en fait. On va dire comme ça. On a un président qui est là qui s'appelle Macron. Si Macron ne fait pas ce que l'État demande, il faut qu'on s'explique. Mais on n'est pas là anti en Kafoko parce que même Macron, ma foi, on le prend, on le met en prison. Non, ça ne se fait pas. Ça, c'est pas ça, c'est pas de la démocratie. C'est-à-dire, c'est de pousser le président de faire quelque chose. On a le droit de le critiquer. On a le droit de tout dire. Mais il ne faut pas non plus que le président nous insulte aussi. Ce n'est pas normal. Oui. Ça, ce n'est pas normal. Il a insulté le peuple de Guinée en plusieurs reprises. Bon, voilà. C'est-à-dire un président qui insulte toutes les populations. Vérifiez très bien, c'est qu'il y a quelque chose. Oui. Il y a quelque chose qui lui manque. Voilà, il est à... C'est ce que j'ai dit ici. Oui, mais je vais finir. Il est en train de se venger de nous. Voilà. Lui, il voulait être président, être Nelson Mandela, et de se venger sur nous. C'est-à-dire de ce qu'il avait subi en Guinée, et ce qu'il avait subi en Guinée, et c'est ça qu'il est en train de nous récolter. De donner, c'est ça qu'il est en train d'appliquer sur les Guinéens. Sur les Guinéens. Ouais. Normalement, voilà, un président, les hôpitaux, on va voir, il y a un problème des hôpitaux. Mais voilà, il ne faut pas dire non. Je vais vous balancer une vidéo là, j'ai fait vidéo là, les écoles. Oui, attends, c'est normal, il faut les écoles, les hôpitaux, on en a besoin que ça. Mais comment on va parler d'éducation des enfants dans un pays pendant que le premier magistrat insulte la population? Ah ben, c'est que les deux sont en conflit. Ils sont ensemble. Sinon, le président de la République, on va prendre l'exemple en France. Quand un magistrat devient magistrat, c'est pas le président qui décide. Les magistrats, il y a les avocats. Mais pour lui,
c'est-à-dire le magistrat qui est en Guinée. Il faut qu'on passe d'abord au président pour faire libérer les gens. Vraiment. On va où? C'est quel pays de loi ça? Et puis bon, ils sont là déjà, sortis sur les réseaux sociaux. Le truc là, le faux procureur de la République là. Comment il s'appelle? Sidi Souleymane Ndiaye. Vous n'êtes qu'un faux procureur. Mais il n'applique déjà, pas la loi. Déjà, déjà, un magistrat ici en France, on peut prendre des magistrats au monde entier. Ils doivent juger. Normal, il y a les avocats, mais le président n'a rien à voir avec ça. Ça, il y a, même en France, ça n'existe pas. Les gens aujourd'hui, on juge les gens aujourd'hui en Guinée à cause de leur nom de famille. Ah non, leur nom de famille. Un nom, ça ne se fait pas. Celui-là, je ne suis pas d'accord. Même un casseur qui casse ici en France, qui casse quelque chose, je n'ai pas dit où il tue quelqu'un. Et même s'il tue quelqu'un, le président n'a rien à voir. Le président, il a son devoir à côté. Les magistrats sont de leur devoir à côté. Mmh. Ça ne se mélange pas. Mais en Guinée, aujourd'hui, quand on voit « Anka la Guinée m'a fait un bi »,« Amba la Guinée m'a fait un bi »,« Magistrat m'a fait un bi », à défaut de Kabi, Nalma Alpha Condé le Kili, Kakuma Wonye, ou le Tissé Kamo le Blabi, à la Kuma Yere Yere. Il faut se dire la vérité. Parce que moi, le problème en Guinée, c'est le problème que les jugements ne sont pas corrects. Foyte Tamina Animala, et Alte Pitié la Guinée Kalma Doni. Dominico Bani, même bah en prison, même que Alpha Condé, tu n'es pas beau. On le met en prison que parce qu'il a dit Alpha Condé, il n'est pas beau. Ça veut dire quoi? 500 000 ou je ne sais pas quoi. Bah. Et Obewari Ketodi. 5 millions. 5 millions, pardon. Obewari Ketodi. Mais c'est ça le problème. La Guinée Kaltime. La Guinée Kaltime, il y a un problème, il y a Nalma Wole Nyaye, Hambi, on va rester dans ce problème-là. Ouais. Ce n'est pas que Alpha Condé Brabon l'a dit. Hambi, ce n'est pas ça. Hansini Kende. Voilà, à Tedeko Kafo, oui, il a construit en Guinée. Il y a ci, il y a ça en Guinée, il y a ci. Va à Kanka. Le capital de la Guinée, c'est où? Regarde la Guinée. Tu es dans l'avion, il y a avion Kono. Tu vois comment est la Guinée aujourd'hui. C'est incroyable. La Guinée Yerebi, les gens y souffrent. Les gens y souffrent. Malo Sonko Brayele. Kobe Brayele. Que parce que les policiers qui étaient tués, ainsi de suite, Obele Saralanate. Ou le Beye Saralate. Ah ben, on fait comment? Okay. C'est ça. Merci beaucoup à vous, mon frère. Ah voilà. Fadi Aliemenga yena, l'an dernier comme là-bas, Aliemenga yena, y a pas ni malé, y a pas ni malinké, y a pas ni peur, y a pas ni guerre. On va unir tous. Anyambolo madenka kambeke mo kilendi. Yati. Anye fra afola raciste fula été fula. Mais attends, na katre c'est le n'a qu'à très bien, c'est lui d'aller, Gallo, à qu'à avion ne ferait bien, à qu'à train ne ferait bien. Alpha Condé d'autre la Guinée. À l'autre la Guinée. Mais il faut qu'ils arrivent à réfléchir. Al-Kanafouila, Alpha Condé. Pardon, Al-Kanafouila, c'est lui d'aller un coup. Voilà. Fouille, c'est lui d'aller un coup. La Guinée. Ah ben voilà, comment ça s'appelle? Premier ministre Mel Fanaya, en Fanaya, il faut la cantine. Mais ça ne veut pas dire que ça c'est vrai, ça c'est assez faux. Allez au Bétoui. Même dit ce qu'à la Guinée, la Wagne fait un an au tard. Alpha Condé Abra Doke, il faut qu'il part. Mon bref Fanaya, au Fanaya Doke. Non, non, ne m'appelez pas sur WhatsApp, Yandi. Voilà. Le live va couper. Alpha Condé. Alpha Condé Yowa, mon bref Fanaya, au Fanaya Doke. C'est ça qui est normal. Ne connais même pas la Guinée-Kaline.
allez fera ouya la mena nal koko ouya le doumalien. D'accord, merci. Merci à vrai Guinéen, Dougou, Montana, mais voilà. Depuis la France. Depuis la France. Bien. Oui, ça va très bien. Et moi, je viens juste d'arriver. C'est quoi le sujet, en fait? Ah, on parle de la gouvernance du régime d'Alpha et le RPG jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui, les fausses promesses, et les Guinéens ne doivent pas compter sur le régime là maintenant, et il faut que les Guinéens se donnent les mains. Donc, c'est sur ça que nous communiquons. Ok. Et donc, moi, ce que j'aimerais dire sur ce sujet, moi, je pense quand même que l'affaire de la Guinée, c'est un peu compliqué. Comment? C'est-à-dire que les Guinéens aiment trop le mensonge. Pour bâtir une nation, il faut que les gens soient honnêtes. Mais la plupart des Guinéens, je ne dirais pas tout, parce que ça, ça n'existe pas, mais 90% de la Guinée, même la population guinéenne, même si ce n'est pas la politique, à part de la politique, sont des démagogues, des menteurs. Donc ça, c'est un gros problème déjà. Un pays où tout le monde est devenu truand, tout le monde est devenu malhonnête. Ça, c'est un gros problème déjà. Les Guinéens n'aiment pas la vérité. Même à part de la politique déjà, les Guinéens n'aiment pas la vérité. Moi, je suis malinqué, hein. Je n'ai jamais supporté Alpha. Je n'aime pas déjà, sa politique. Pourquoi? Parce que, voilà, quand on dit oui, Alpha, il a travaillé, même le travail qu'on fait, c'est de la merde. Voilà. Il a fait quel travail? Non, mais je vais dire ce qu'on dit, parce que moi, je viens de quitter en Guinée, donc moi, je trouve que c'est de la merde. Tout est de la merde. Donc déjà, moi, quant à moi, j'aimerais quand même pour dire Chilou, Alpha, tout ça, pour moi, tout ça, ce sont des trucs passés, quoi. Moi, je veux des nouvelles générations, les gens qui vont s'asseoir pour dire non, nous, on veut... Voilà, qu'on s'impose, quoi. Donc, pour ça, moi, j'ai pas besoin de Peul ou Malinké ou ça. Moi, je veux la nouvelle génération. Et si on veut vraiment que la Guinée aille de l'avant, il faut quand même que nous, les Guinéens, l'avenir nous appartient, nous, les jeunes. C'est-à-dire qu'on dit, ben maintenant, vous avez fait vos temps, vous êtes notre papa, notre grand-père, allez-y, laissez-nous la Guinée. Nous aussi, on va essayer de gérer la Guinée, nous les jeunes. Voilà, il n'y a pas de problème entre les Guinéens. C'est les politiciens qui créent des problèmes. Donc pour ça, vu qu'eux, ils ont fait leur temps là, chacun a servi la Guinée, ils n'ont qu'à nous laisser notre Guinée, et ils n'ont qu'à partir, nous aussi, maintenant, on va gérer. Maintenant, si c'est Lou Dalain n'a jamais été président, il demande aux Guinéens, faites-moi confiance, laissez-moi être président, mettez-moi à la tête de votre pays. On a le droit de le suivre, c'est-à-dire on a le droit de lui donner sa chance, oui ou non. Moi, je vais vous dire quelque chose. Pour que les Guinéens soient tranquilles, les vieux là, ils n'ont qu'à se reposer. Tous les vieux là. Non, mais écoutez, c'est Lou. Comme ce que vous avez dit. Si c'est vous savez ça, c'est pas un problème. Écoutez, Savani. Si c'est Selou qui peut faire l'affaire de la Guinée, hein? Si c'est lui qui peut faire notre affaire, hein? Vous serez d'accord avec moi, ou bien vous serez d'accord avec moi pour qu'il devienne président en Guinée, si c'est lui qui peut faire notre affaire. Écoute, pour tout d'abord, pour te dire que moi, je ne suis pas affaire ethnique ou des trucs comme ça. Moi, quand j'ai été en Guinée tout récemment, celui qui m'a hébergé, hein, celui qui a tout fait pour moi, c'est un Peul, c'est un ami, Mamadou Bella Barry. Et ici aussi, j'ai ma meilleure amie s'appelle Oumuawa Barry.
Non, il y a pas, et tous mes amis non, sont mais je de ne pull. Parle pas de c'est pas, de pull. C'est pour écoutez, te dire qu'il n'y a pas affaire écoutez. De pull. Pour que oui, nous, Savani, on soit tranquille. Monsieur Savani, je ne parle pas affaire de pull. Je parle voilà, ben, mais en tant que, moi, que je te préfère, pas... même toi aujourd'hui, je te préfère, comme même si pour dire que non, celui, il a servi ou que. Moi, je te préfère même comme un président ou bien un jeune pull de 30, 40, 45 ans. Qui gère la Guinée, moi je ne veux plus de ces gens-là, quoi. Ils n'ont qu'à nous laisser tranquille. Écoutez, je ne parle pas de. Je ne parle pas ici de. Je parle juste que. Sur le fait que. Là, c'est-à-dire l'importance que celle ou peut apporter à la Guinée, je parle sur ça. Ben, voilà, moi, ce qui peut nous apporter, ce qui peut nous apporter, ou bien ce qu'Alpha peut nous apporter, ce que Kassouri, ce que les autres là peuvent nous apporter, qui nous guide pour dire, voilà, vous pouvez donner des conseils. Monsieur Savané, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, si Alpha, il a réussi à s'éterniser pour avoir un troisième mandat, est-ce que vous savez qu'il a joué sur cette carte d'ethnocentrisme-là? Est-ce non, mais déjà, il faut être parce con pour accepter gens, ça. Tu sais, l'Africain, la majorité, sont bêtes. La majorité des gens aujourd'hui de la Haute-Guinée ont en tête et que certains de la Basse-Côte et que certains de la forêt, il ne faut pas donner le pouvoir au peuple. Parce qu'eux, ils pensent qu'en donnant le pouvoir à ces loups, c'est donner le pouvoir au peuple. C'est ça, la réalité. Non, écoute, ça, ce sont des slogans des politiciens. Pour arriver à leur fin, il faut qu'ils nous mélangent pour nous diviser, pour régner. C'est comme un homme qui épouse deux femmes, qui ne veut jamais que les deux personnes là s'entendent. Parce que si les deux personnes là s'entendent, ça, c'est un problème pour toi. Donc, Alpha, son but, c'est ça. Donc, maintenant, il a cette carte-là à mettre pour jouer. Maintenant, mettons de côté l'ethnie de Ela Sello. Prenons la personne de Ela Sello, sa personne, hein, qui dit qu'il veut changer la Guinée, unir et servir les Guinéens. Vous serez d'accord avec moi, oui ou non, sur ce plan de lui donner sa chance. Mettez de côté l'affaire de vieux, là. Écoute, sincèrement, moi, je te parle sincèrement, moi, je suis honnête ce que je dis, hein. Moi, je te dis, moi, personnellement, peu importe que tu sois peu malinqué ou chaud, ethnie à côté, moi, je veux pas de quelqu'un qui a géré la Guinée, un vieux. Moi, je ne veux aucun vieux. Non, moi, je veux la nouvelle c'est génération. Celle-là a géré la Guinée. Ok. Ok, mais ben, laisse tomber qui n'a pas géré la Guinée. Moi, je veux pas. Moi, je veux une nouvelle génération. Nous, les nouvelles générations. Je vous ai compris, monsieur. Voilà. Savani. Pour merci que la Guinée soit tranquille, et Adi, il faut que la nouvelle génération prenne le règne de ce pays pour qu'on soit tranquille. Ils n'ont qu'à nous laisser vivre en paix. À faire d'ethnie, peul, malinqué, tout ça, on s'en bat les couilles. Ils n'ont qu'à partir tous. Donc, pour ça, il faut que l'armée, les jeunes qui sont là, tout le monde doit savoir que les vieux là doivent partir. Ils n'ont qu'à les faire partir. On va s'arranger entre nous. C'est ça, moi, mon souhait. D'accord, M. Savary. Merci pour votre intervention. Hein. Merci. Allô, maman? Oui, Gibril. Gibril, ça va? Ça va, ça va. C'est maman nationale. Oui, maman nationale, vous allez bien? Nyambaransa, ça va, et tango, tanamu, mais comme on est à la vidéo, ma tofé. Tanamu na. Tanamu na, maman. Ah, il va la sammanye. Non, moussangrima. Alhamdoulilah, et radimba yego. Tanamu, tango, on y ronkouye, ramara. Elle va faire nara. Yo. Elle va faire finir au même Nimise Nana. Nimise Bilibeli. On fait Nana barre la Guinée. Naramoula Marabab. On est Mouru Moussoutor Wontana Moussoutor Alpha Bilibeli Wontana la Basse-Côte. Yo. Partagez. Une fille de la Basse-Côte qui parle. Une maman de la Basse-Côte qui parle.
Une fille. Donc, on t'a mis à ce dit. Elle va quand elle est venue à l'homme. Elle va quand elle est venue à l'homme. Elle va quand elle est venue à l'homme. Anga susigine na angara. Donc, ta anga susigine na angara kudo susi baskotu mbwenye fa. Nta mbaskotu dina na 100% susi. Susi lasiri la mbasi ya kanke na nanta na me susi na nana. Baga na nana. Abiri na na baskotu dina na nana. Mbemba sore fede bili mbaraka baskotu ne. Donc, lasiri la mbasi na nana una. Yo. Alfa kon da fara birde ne susu fema. Alfa kon da fara birde ne baskotura. Alfa kon da ta mabuke ntan buke bardi nan 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 bar buke ne. Alfa kon da nan anga buke kanara. Alfa kon da ne siga buke kelefe buke village na kambir na buke. Im kuyora minima mena na hafa la alfa kon da ga kelefe village na muna. Amuna. Imriora minima kelefe baskot fuge na mahala be uwe mboke fuge na mahala be imriora minima mena gafala ma alifa kwande kelefe jibanga kelefe jivilashi na amuna donka anga kelefe boke fa naba ulefe nara ule nara alifa kwande ima afala makuze na iki ima afala makuze na iki ima afala masoko na ingiki Ima falama bemba kelege esanda anga kelege bene muna toma na miki muna anaga falama. Jamen. Imuna miki yo toma. Alifa kwande kelege dede wo makulu. Olai. Alifa kwande fara keki lagine wo muna fankulu. Iyo. Ina ha bariki lagine ene. Sende buke neme. Alifa kwande mo bariki buke. Iyo. Pase miki yo ramini mame naga falama alifa kwande bariki buke ne. Muta kuna anga dogo bine anga tofa dogo bine uba anga kile kijivila sine bine no muna donko alifaa bidhaa na legine ma patiki tore na kani kama muna susi kikubansa kama jina legine dibi ni nama wallahi billahi tallahi alifaa kuline alifaa ulina li yeah alifaa purumes amato ba kuna hivi video ndito kuna yaba Makisalo, makisalo ni Nigeria mange, arugurana ni yekara matamu guru malatino ma, mvio de 95 ans, aguru malatino ma, latino buruma, panda kia kuri, latino buruma, aonyamu fatale sofar esende fati akarandi, alifamu na mafati akarandi, don kunta na afara malagina diebe. Lagina dire bela kasu unhom bela kasu umbure ni don halfa konde kir lagina kamu na halfa konde ya halfa konde fa lagina kunna kanadi na numbare ga kunna kanadi awo masu to minde ataku na baskot na no ma fira lagina baskot na president dokoma abere wonna men na to fa ana baskot Kadire wule fale nunga nige nyari besangwane sose nyari na besangwane na maswara lika lagine ya kunakana. Partage le live dans le groupe. Partage. Ibe la ame. Sose kadire anake maswara na fola fe kasuri nama. Kasuri fufana. Fonu mfana. Kasuri fufana. Lagine ya kusinge na kasuri fufana nana. Tapi kasur fufana alifa akonde mun finde presiden na alifa akonde nang kasur na walima temu walima nu temu walima na alifa akonde kiri na an lansa na kwanto kumba lansa na kwanto mukaranga karan tari nara iyo muna sesa fola gine kuabiri dunfe iyo nage lansa na kwanto trompe amanto fani na masuhara iyo kiri di banguri iyo maliki sangwe Iyo. Esende mamal sila. Iyo. Fode bangure. Wala, yidong wala, ava fode bangure. Yidong wala, fode bangure, nan lagina ya kuna kane, nan lansa na kwanta trompe. Volume 5, RPG, volume 5, c'est du feu. Nen nan lansa na kwanta trompe, nan lansa na kwanta madahu. Nan resite rebeye, nan resite rebeye ki. Lagina ya kwe na ye nan na.
Nana alifa akonde to fa. Anaka yi maso ara ko na legine to kon sandi. Allo ka suri fu fanata falama. Abbas ko to bangi da bira ba pandan truwa ma ta munakulu. Yala. Allah ta munakulu. Ata muna kulu bangira bira mandara atante ma kore na nani sama wada te ma kore na avio na kan ma ya maki amu am lagi na to ma fe na kan nana wallahi donc alifa ne alifa promes alifa to fari alifa mu lagi na kulu atanya ta fara na mu lagi na kulu a kun janan lagi na kulu nana ka faka donc ne re lagi na kulu ne re lagi na tu kun san ne re lagi na kulu na kan lan san konte ani na masara you Alors que Hanou Legine Canadé? Yo. Alors que Hanou Legine Canadé, qu'est-ce qu'il y a? Yo. On t'a dit qu'on fallait Jibril. On t'a dit qu'on fallait Moutan Giri, qu'on Moussoufi, Mouha Moussoufi, ou t'a dit Moutan Baramo. Yo. Mou Giri Moussoufi, ou t'a dit Mouha Adi. Yo. Une vidéo là-bas, ma. Yo. T'es mon ma vidéo, Thoma. Oui, na Thoma, yo. Une vidéo là-bas, ma. Na Thoma, maman. Voilà, mais. Difan yo fa, à la fois la guidée malité, ça y est, on t'a dit qu'on Sidi ya ture fane, umbiri na tone. Lansa na kwante ya mana, anaka fatu, sidi ya kawalitu, kulu. Anaka sidi ya, anaka unya, mbari ya kawalitu, ita noma nenta mbalido wangha, lakina avansi. Anaka sidi ya maswara. Jika suri, jima mbari sila, jiwe fode bangure, jene sanyiti sidi ya kafili, malansa na kwante kwa, ene mange, Ibu kena kan masuk ke dia kamu iba iba mana plus? Pasai kau kulo lasi dia tu faham nak dengan mana lagi ni mending rendah fanya lagi ni no mana yang rendah fanya. Itu nombor dari munyera ibarat dari wulera. Dong kena ni nak isangi tu si dah ha film ini nak burung ini nak abana. Kalau itu ada tu mah. Itu ada tu mah. Wangha dah wangha lah walimatu. Kafiri nan na yira. Yo. Mirina ka afala ma, mirina ka sali ya aminira. Am mirina ka di kifu sali da ba, kafala dunia da, kifu sali da ba ma ya aminira. Mouta mbimbi, mubara mouna nanto, mubabi nombo, mouta nira. Wallahi, wallahi, mama. Misi mi ya bokwe. Mouna nanto, kifu sali. Alifa akonde na ha, kifu musalama. Ali jamal mini, afala kifu musalama. Kuye batu, ali jamal kuye batu. Naman fa afala, fanga da ma kaba, sara kaira. Ntambe, ali jamal afala mane. Unha kitabu ira mini waha di mekara waha ala fira suyo kunyi Ika ala kulung ala nana Udine masibe ilamme ka dine na bakana Kwa ni tanna ya na kitabu kwe afanga dama kabana Inda toko dunia mindi Donku kafiri mangena na yira Ye mukidikini malagina ema Ulimingi na na yira Ye mufan Donc, quand tu as un enfant, tu as un enfant. Tu as un enfant. Amato, Jibiri, Haute Guinée. Misolu, Haute Guinée, mon naba Alifa Konde Bé. Amuna, Amuna, Amuna. Misolu, Haute Guinée, mon naba Alifa Konde Bé. Amuna, Amuna, Amuna. Misala, Haute Guinée. Sese. Kira, Amuna. Sese. Ye, Amuna. Te, Amuna. Sese, Amuna. Hôpital, Amuna. Sese, Amuna. Mandiana, non, kanka, Amato. Abine, kira, kanaki. Ami se fang out Guinée ma. Zero. Ami se fang Basse-Côte ma. Zero. Ami se fang Fouta. Zero. Ami se fang Zéro Koude. Zero. Fan ou Mbira ou Mbore. Ou Mouhaak li fin. Légina ka ou Mouhaak li fin. Ou nou Mbira kassou Mbore. Alfa konda barake la Guinée konda kara. Awara mouha yo. Yeah. Alfa barake barra mouha di. Si se la Guinée fang. Alfa konda faka avanjiri ne la Guinée ma. Ami se la lansana konda kafe. Kon nante ya nan na furi. Wallahi. Dans sa compte, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Donc, quand on a dit que maman ne peut pas faire ça, donc Jibril, courage. Merci. Quand on a dit que le combat continue. Oui. On a dit que c'est un peu de temps. Je me dis que c'est un peu de temps. Je me dis que c'est un peu de temps. Je me dis que c'est un peu de temps. Wallahi. Je me dis que c'est un peu de temps. Je me dis que c'est un peu de temps. Je me dis que c'est un peu Mumi ni mane, kana kama muda mumi ni mane mumi manifeste. Nye,
Quand même, je suis comme ça, 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 je suis comme Rio. C'est que tu as dit 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 que Malik Sankon Haban Rinambiki Chateau. Eh. Et bien le château n'en tire pas. Il y a un château château n'en sera rien. Il y a un 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 château n'en sera rien. Il y a Ah, c'est un nom. Côté Natongoma. Côté Natongoma. Voilà, donc, moi, en Hong Kong, je me regrette femme femme. Je me rends courage. Alors, je me refuse. Mina. Je me refuse. 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 Una dua una na bama na kan salib la kati alabe fe mun adanyi mun na hamma jibril di fan damma ne kon he e garaba do ira de e garaba do ira de be nyoko na fa faraba iyo na tangana iyo e garaba do ira de be nyoko na faraba una la maktan manana mala na haraba iyo kon e halu vengeance na haraba donc nanara Mubu ma video ma ala ko ma dala ka legine ba jimi xor ala ka legine ba yi bandi bela re amina ala ka legine ba yi bandi bela ala ka legine te yi li ko boxit ma to mutan ko nyi buke boxit mi na te mu na na ye mu na ko le na kan ba ko buke adi 10 milliards ina nan so profe anira ba sana babeta 10 milliards sana babeta mer de buke sana tawel Mamar ba tabel camera anun gouverneur da wona na ko abi de ko hôpital sande akhle di cimetière ya la e ga mosquée ya le ga market ya la itam utam bang mun gani mu ba be sax de na cimetière de na janwalia bare nun ya boko ma se nam xey do fe meni bare nun boko ma se nam xey do fe janwalia to bar ko abi to ngey do biki ini cimetière kuito ne mun da khun nak nak na lu ba san fe mena bar ko abi to ngey do biki mu se sa ba na ala itu yitu maye alha kiti sawun yetagi mina ya rabbi donc nanara ala sago nabi sago du komba continue muduba mube mumadi alahu umali alha kirara bi wube alha alha lagine baji bandi balaka mar ya allah alha wonno won yakhira amina amina lagine yakh alha wonno ralhi alha khafi kana amina amina ala nakhay min nade khungir ala khay bir min nade khurura ala ho mbala khasay ma won khaye qiri won khaye makito won khaye sagili amina ya rabbi nana ala ala saga nabi saga usago allahumma salli ala muhammad wa sallim nana ala jibril awal barka nge awal mama qui va te dire que alpha sa maman vient de telle sous préfecture et mon ami ritoma Bonjour oui. Jibril, comment vas-tu mon frère? Ça va, alhamdoulilah. Ouais, j'espère que tu vas bien. Ça va, alhamdoulilah. Ok, la première des choses d'abord, je salue tes auditeurs et big up à la maman nationale parce que ouais. C'est les informations, c'est petit à petit, c'est les découpages d'informations, c'est comme ça on récupère les informations quoi, ça aussi on ne le savait pas. Oui, et je lance un défi à tout, voilà, maintenant on... À travers ton émission, je lance un défi à tous les RPGistes, à tous les communicants birdi qui se disent, qui se tapent la poitrine, soi-disant qu'Alpha est Guinée, Alpha est ceci. Donc, à nous montrer aussi le village de la maman d'Alpha Condé. Oui. Ouais. Parce que tu es suivi.
Tu vois, non? Donc, les communicants d'RPG dans l'ensemble, en voulant ce défi-là, montrez-nous les villages de la maman d'Alpha Condé. Le papa, là, on sait que ça n'existe pas, ça n'existera jamais. À moins que vous ne vous attribuez un village, là, on n'en disconvient pas. Mais montrez-nous les villages de la maman d'Alpha Condé, les cousins, les cousines. Parce que la maman d'Alpha Condé n'est pas seule dans sa famille. Donc, elle a peut-être des sœurs, des tantes, des... Ils n'ont qu'à nous montrer cela, quoi. Ça, c'est comme la première chose. Comme la maman a dit, qu'elle est bien de Bokeh, mais que dans tout Bokeh, tu ne verras personne qui va te dire c'est ici que la maman d'Alpha Condé est née. C'est ici qu'elle a grandi. Il y avait ses cousins ici, il y avait ses oncles ici. Et... Donc, le gars peut-être le jour qu'Alpha Condé est né, peut-être tous les villages, il n'y avait personne dans la ville de Bokeh. Tout le monde était parti à Conakry. Ok, mon frère, je vais te dire une chose. Tu sais, les gens qui... Quelqu'un est intervenu tout dernièrement, il a parlé de la nouvelle génération, des jeunes de la nouvelle génération. Je vais juste te poser une question. Mm-hmm. Dans les équipes de football, parce que tu suis le football, la plupart des entraîneurs comprennent. C'est des entraîneurs qui étudient d'abord, qui passent par des clubs, qui ont des expériences. Même dans les équipes, dans certaines équipes, on a besoin des gens qui ont l'expérience, qui apportent l'expérience aux jeunes. Comment est-ce que toi, tu vas vouloir qu'on dégage tous les vieux et qu'on envoie les jeunes qui n'ont pas de l'expérience de l'administration, de la chose, qui ne savent pas, c'est-à-dire communiquer, qui ne savent pas faire les choses, et les mettre là pour diriger une nation. Alpha Condé est comme un jeune qui a fini le bac, il n'a jamais fait le stage, on vient, on le met président de la République. Les jeunes ont besoin de l'expérience. On aura les expériences qu'avec les vieux. Ça, c'est un deuxième. La jalousie, c'est une jalousie. Alpha Condé, d'abord, quand il est venu en Guinée pour la première fois après le coup d'État de Dadis, qu'est-ce qu'il a dit à Dadis? Parce que Dadis, c'est un homme qui ne cache pas. Dadis, c'est un homme véridique. Personne ne peut nier cela. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il est venu dans mon bureau pour me dire, si je dois organiser des élections, je dois dégager ces loups. C'était le début de la guerre. Entre Dadis, le clan de Dadis et Alpha Condé. C'est à cause de ça même qu'ils ont monté certains coups pour dégager Dadis, parce que Dadis était un obstacle pour eux. C'est pour te dire seulement que les gens qui sont là, ceux qui communiquent au sein du RPG, ou les gens qui ont entouré Alpha Condé, ne connaissent rien. C'est ça que je te dis. J'ai même mis ça en commentaire. C'est des gens qui n'ont que la haine, qui n'ont que la jalousie. Tu sais, il faut dépassionner les choses. Quand tu veux développer un pays, tu dois conjuguer, c'est-à-dire avec tout le monde, tu dois appeler tout le monde autour d'une table pour discuter des choses de la, du pays. Il ne faut pas qu'on exclue, parce que c'est une politique d'exclusion qui est là en Guinée, il ne faut pas qu'on exclue un groupe de personnes, rassembler trois groupes de personnes ou quatre groupes de personnes contre une personne. C'est-à-dire, le pouvoir d'Alpha Condé, c'est quoi? Il est là et pense jusqu'à présent qu'il est opposant. Alpha Condé n'a jamais fait un discours d'un président. Tous les discours d'Alpha Condé, tu les cibles ou pas, c'est autant de... C'est-à-dire, il est devenu fou. Alpha Condé est devenu fou. Il sait... Le manteau d'opposant qu'il a porté pendant... Attends, mon frère, ce n'est pas un fou. Peut-être qu'il prend du whisky, ça c'est vrai. Mais tout ce que Alpha fait, moi j'ai étudié Alpha, Frangin, tout ce que Alpha fait, il le fait par esprit. Il le fait par esprit. Il le dit comment il se comporte. C'est-à-dire, c'est comme un gamin parmi des gamins. Après, tu prends un enfant qui est un peu plus âgé que tous les autres gamins. Tu comprends, non? Parmi un groupe de gamins de 10 ans, de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans. Tu comprends, non? Tu vois, quand les gamins, ils se battent, les gamins de 10 ans, là, il se bat avec les autres gamins qui ont 7 ans, 8 ans là. Quand tu viens pour les séparer, qu'est-ce que le gamin le plus âgé, il te montre quoi? Il te montre son autorité sur l'autre. Donc Alpha nous montre que, comme il est président, nous sommes tous ses gamins. C'est-à-dire, nous sommes tous au-dessus de lui, quoi. Comme il est président, il a le droit de nous traiter de tout. Comme il est président, il a le droit de dire tout ce qu'il veut, que personne ne peut le dire le contraire. Donc, cette rancune à lui qui s'est transformée en truc de, comment je vais qualifier ça, en truc de, je m'en fous.
tout ce que Alpha dit, il le fait par esprit. Sinon, il ne peut pas nous dire que nous sommes des tortues. Il ne peut pas nous dire laisser les chiens aboyer quand ils vont se battre. Voilà, c'est là que je voulais en venir. En tant que musulman d'abord, parce qu'on va aller, sur ce côté-là. Dieu a créé les êtres humains. Qui est plus puissant que Dieu? Il n'y en a pas. C'est lui le maître des maîtres. Il a dit dans son Coran, dans le Coran qu'il nous a donné, il a dit « Walakad karam dal bani Adama ». Il a dit « Moi, j'ai respecté les êtres humains ». Il n'a pas dit « J'ai respecté les musulmans ». Il a dit « Les êtres humains ». C'est-à-dire que tu sois chrétien, que tu sois cap, que tu sois du judaïsme, que tu sois hébreu, que tu sois, il te respecte. Comment veux-tu qu'une partie du pouvoir que Dieu a confié à une personne, qu'il enfreint ses règles, il ne respecte pas les gens qu'il dirige, les gens qu'il a mis au, les gens qu'il a mis au pouvoir, il ne respecte pas ces personnes. Alpha Condé doit comprendre qu'au moins 10% des Guinéens ont voté pour lui. Il doit au moins maximum de respect à ces gens-là. Mais tu te permets de dire que c'est des chiens, tu te permets de dire que c'est des loupards, tu te permets de dire que c'est des tortues, tu insultes toute une nation. Le RPG, feu sur vous. Moi, en tout cas, je lance défi à tous les RPGistes de nous prouver le contraire, que leur président n'est pas un menteur, que ce n'est pas un vendeur de rêves. Que ce soit à Zérekouré, Haute-Guinée, Basse-Côte, Moyenne-Guinée, prouvez-nous pendant 10 ans là, qu'est-ce qu'il a fait. Je vais te dire une chose. On parle de Bambeto, on parle de l'axe de Ratomaké, les gens là se manifestent à chaque fois, on tire sur eux. Je vais te le jure, si c'était la Haute-Guinée qui se manifestait comme la Basque, comme Ratoma, on allait tuer les gens. Si c'était aussi la Basse-Côte qui manifestait comme ces gens-là, on allait les tuer. Alpha Condé n'aime pas les Guinéens. Alpha Condé ne fait que garder le pouvoir parce qu'il a des dettes qu'il doit payer. Comment payer ces dettes-là? Il faut qu'il mélange les ethnies pour pouvoir nous occuper. Ensuite, ça, c'est la distraction, ce qu'on appelle la distraction en politique. C'est-à-dire qu'il distrait les gens pour pouvoir, c'est-à-dire, dilapider l'économie. Et il a des gens autour de lui qu'il avait mis en place depuis autant de comptes que ce que Maman National vient de dire là. C'est ça, les cassouris que tu vois comme ça. Les mais là, tu m'avais posé une comme ça. Question, mais tu ne m'avais pas laissé aller jusqu'au bout. Ok. Tellement que tu as la rage, tu as raison. La question, j'en viens comment? Hier, comme tu as dit que je regarde le foot, hier, on a tous regardé la finale de la Ligue des Champions, non? Entre Chelsea et Manchester City, non? Le capitaine de Chelsea, il s'appelle César Azpilicueta. Queta, yeah. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu sais qu'il a fait combien d'années à Chelsea? Il a fait 9 ans. Depuis longtemps, il est là-bas, oui. 9 ans. Maintenant, les gens qui disent là, on veut la nouvelle génération. La nouvelle génération qui va venir, est-ce que la nouvelle génération connaît réellement les réalités qui sont sur le terrain? Non. Ils vont Ils vont échouer. Donc, arrêtez de dire la nouvelle génération. La personne la mieux placée, sans démagogie, la mieux placée pour faire, en tout cas, si vous voulez, continuer sur cette idée de patriotisme, pour que aujourd'hui ou demain ou après-demain, qu'on puisse dire, oh, notre pays, la Guinée, a changé. Si vous vouliez réellement, le développement de la Guinée, la seule personne mieux placée aujourd'hui, c'est le président Elhadj Mamadou Sellou Dalein Diallo, parce qu'il connaît le terrain, il maîtrise le terrain et il sait qu'est-ce qu'il faut pour la Guinée. C'est tout. Pour clôturer, pour confirmer ce qui t'a dit, on nous a tous dit en Guinée qu'on a dit que Dieu nous donne un bon prix, que Dieu nous donne un président. On a fait des prières, des bénédictions dans les mosquées pour que Dieu nous donne un président. C'est ça, non? C'est vrai. Certains disent que c'est Alpha Dieu nous a donné. Dieu nous a pas donné Alpha. Alpha, Dieu nous a donné Sellou et Alpha est venu arracher le pouvoir à Sellou. Preuve, Alpha ne peut rien faire. Jusqu'à preuve contre, il ne peut rien faire parce que c'est pas lui, à lui qu'on a donné le pouvoir. Lui, il a arraché le pouvoir. J'ai dit cette réponse en début de vidéo, mais je pense que tu n'étais pas là. Si Dieu nous a donné Alpha, c'est pour montrer que les 50 ans ou 40 ans de lutte d'Alpha Condé, c'était juste des mensonges. C'est-à-dire, Dieu nous a donné Alpha pour nous montrer que Alpha est juste un incapable pour diriger la Guinée. Est-ce que tu comprends? Donc, Dieu nous a donné Sellou. Les hommes nous ont donné Alpha. Dieu a accepté ça.
Maintenant, Dieu nous a montré que Alpha est un incapable, qui ne peut pas sauver la Guinée, qui ne peut pas sortir la Guinée de l'ornière. Mon frère, c'est cela. Je remercie Dieu qu'Alpha Condé est devenu président. Parce que si Alpha n'était pas devenu président, on allait même faire des statuettes au nom d'Alpha Condé. C'est lui qui devait diriger la Guinée, Tout comme fait, comme par exemple, pour les Patrice Lumumba. Dieu merci, on a vu l'homme, on sait qui il est. Voilà. Si les Guinéens doivent ouvrir les yeux, est-ce qu'on allait découvrir tout ça aujourd'hui? On allait pas. Les Guinéens allaient prendre Alpha Condé comme un Mandela. Maintenant, le deal qui s'est passé chez Ntassé Roba, c'est sur ce ton-là qu'il a manipulé les sages de la Haute-Guinée. C'est sur ce ton-là qu'il a manipulé les sages de la Basse-Côte en disant laissez-moi diriger le pays-là, faites-moi confiance. Et voilà où nous en sommes. Merci à mon frère Frangin. Et à la prochaine, je sais que t'es un bon. J'espère. Big up. Le combat continue. Si, je t'ai pris. Oui. Parce que j'ai vu ton commentaire tout de suite là, écrit le gros menteur. Vas-y. Ah, bien sûr. Alors, c'est moi qui vous ai écrit sur ce commentaire, comme quoi vous êtes un gros menteur, parce que ça se voit. Mm-hmm. À chaque fois, en fait, des relévations, franchement, on se dit, ça vaut pas la peine, quoi, en fait. Juste okay. Attaquer. Maintenant, votre président est plus gros menteur que moi, parce que lui, il a menti à tout un peuple, et il continue de mentir à tout un peuple. Si cela, vous ne l'acceptez pas, nous, Guinéens, bons Guinéens, on sortira pour vous dire cela en face, sans s'énerver, sans s'injurier. Le RPG, c'est un parti mauvais pour la Guinée et que la vérité... Non, mais selon parce que vous avez changé de camp. Oui, mais non, moi, je n'ai pas changé de camp. Je vous pose des questions. Qu'est-ce que votre président a fait pour la Guinée? Voilà, c'est la bonne question qui se pose là. Hein. Voilà. Vous ne pouvez pas en Guinée. Hein. Moi, je vis en Guinée. Et... Non, là, présentement, je fais 3 mois en Guinée tout à l'heure, mais vraiment, j'ai vu l'avancée de la Guinée, tout ce que Alpha Condé a fait pour ce beau pays. Comme on le sait tous. Comme quoi? J'ai fini là. On ne peut pas tout citer, quoi, en fait. Mm-hmm. Vous voyez le côté négatif de la Guinée, et vous accentuez beaucoup sur ce débat. Là, on n'est pas là, en fait. Mm-hmm. Vous défendez, c'est votre côté que vous défendez, en fait. Mm-hmm. Tout ce qui est négatif de la Guinée, vous dites ouais, on va essayer de saboter en sorte la Guinée nous appartient. La Guinée puisse avancer. Au lieu de te demander qu'est-ce que Alpha Condé a fait pour la Guinée, demande-toi d'abord qu'est-ce que tu as toi-même en question, qu'est-ce que tu fais pour moi. Je ne suis pas un Guinéen. Moi, ce que je suis en train de faire, je ne suis pas un président. Je n'ai pas Guinéen. Tu as bien dit ici. Je ne suis pas un président. Maintenant. Ce que je suis en train de faire là, le boulot que je suis en train de faire là, je fais non ça. Non, mais tu n'es pas partiel. Je ne suis pas partiel parce que je suis d'un parti. Non, tu n'es pas d'un parti. Tu as adhéré à une. Écoute, non. Tu as adhéré à un parti. Oui, j'ai adhéré à un parti. Je suis dans ce parti là. Et c'est au nom de ce parti que je défends le peuple de Guinée. Tu comprends? Bien sûr, vous défendez le peuple, c'est clair. Oui. Vous défendez le peuple de Guinée ou bien une partie? Le peuple de Guinée? J'ai dit. Le peuple de Guinée est l'idéologie de mon parti. Voilà. Mais cela ne veut pas dire que vous vous opposez au parti au pouvoir quand même, hein? Par rapport à tout ce qu'il fait comme. Je suis opposé au parti au pouvoir. Maintenant, vous avez dit ici que la Guinée a avancé, que vous avez fait 3 mois en Guinée. Qu'est-ce que Alpha a fait en Guinée? Qu'est-ce que vous avez vu? Non, mais 3 mois, moi j'étais là-bas 3 mois, vraiment, ça a changé de telle sorte que même la circulation, en fait, tu ne peux pas te rendre compte, quoi, en fait. Comment, arrêtez. Vous m'avez traité. Il y a des problèmes de signalisation de partout à Conakry. Moins d'embouteillage. Panneaux de signalisation, mon frère. Ben oui, c'est autant d'avoir.
Mais écoute, c'est même pas ça en fait. Il y a le courant, ça pas d'interruption en fait. Il y a le courant, 24 heures. Je peux te garantir ça. Parce que tu as fait un moment, tu n'es pas en Guinée. Va par toi, de toi-même, on ne peut pas te le dire. Parce que tout ce que moi je te dis là, les gens ils viennent par commentaire dire que c'est archi faux. Voilà, ignorez les commentaires. On fait un débat. Non, vraiment, c'était pour te taquiner. Mon frère, vous n'êtes pas Koundé. Explique-moi mes opinions en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mes opinions. Vous avez dit que vous êtes du RPG. Non, mais déjà, à chaque fois, je vous vois attaquer un monsieur qui n'est pour rien, qui n'a pas. Donc, vous désolarisez. Tous les Guinéens. L'idéaliser maintenant parce que vous pensez que vous savez quand tu peux. Ne vous désolarisez pas. Ne vous désolarisez pas, d'Alpha. Vous êtes venu pour le défendre. Ne vous désolarisez pas, Alpha Condé. Maintenant, vous êtes sûr qu'il y a les panneaux de signalisation dans toutes les carrières, dans tout, partout à Conakry, les routes, la circulation. Vous êtes sûr que la circulation, elle est bonne à Conakry, Frangin? Mais bien sûr. Mon frère. Ah non, mais bien sûr. Tout à l'heure, vous avez dit que je suis en train de mentir des gros mensonges, que j'étais un gros menteur sur Alpha. Mais à chaque fois, je vous suis quand même. Maintenant, moi, je ne veux pas vous traiter de gros menteur quand même. Écoutez, ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas la réalité, Frangin. Je viens de quitter à Conakry, vous avez fait 3 mois. Moi, je viens juste de quitter à Conakry, ça fait 4 mois. La circulation en Guinée, et puis tout, comme vous d'ailleurs, tout le temps que j'étais à Conakry, je circule dans les voitures, je conduis. Et aucun Guinéen qui est à Conakry aujourd'hui ne vous dira aujourd'hui que les routes, qu'il y a des routes à Conakry, Frangin. C'est impossible, ça. Si. Non, la circulation comment? Même en France, au Sénégal, de partout où vous êtes, La Guinée, c'est pire. Maintenant, vous avez vu les panneaux de signalisation? Vous avez vu les panneaux de signalisation où? Parce que moi, je peux vous citer les panneaux de signalisation à Conakry. Ça ne dépasse pas 5. Moi, vous m'avez demandé quels sont les côtés positifs. C'est ce que je suis en train de vous citer. C'est tout ce que vous avez trouvé. Non, mais je vous ai parlé du courant, en fait. Vous ne confirmez pas qu'il y a le courant aussi. Ok, on est d'accord. Le courant est à Conakry H24. Ok, ça va, c'est bon. Maintenant, voilà. Les travaux routiers. Maintenant, vous nous avez parlé des panneaux de signalisation. Ne vous gênez pas, hein, personne ne vous insultera ici. Nous, on est pissant. Hein, ne regardez pas les commentaires. Hein. Ça marche. Ok, mettez-vous à l'aise. Ok, écoutez-moi. Voilà. Maintenant, De toute façon, les panneaux de signalisation, je vais vous citer. Les panneaux de signalisation, je vais vous citer, ne vous gênez pas. Les panneaux de signalisation. Il y a un panneau de signalisation. Les grands carrefours. On a le carrefour de Kipé, centre émetteur, qui ne marche plus d'ailleurs. Là n'est pas la question en fait. Non, mais vous avez dit qu'il y a les panneaux de signalisation partout à Conakry. Je vous ai rappelé vraiment qu'il y a des évolutions par rapport à tout ce qui se passe en Guinée, en fait. C'est juste ça, moi, je vous rappelle. Je veux pas perdre le temps à dire que oui, c'est là, il y a panneau ou pas. Moi, je vous dis de partout, les points clés de Conakry, il y a des panneaux maintenant, en fait. Moins de bouchons, comme avant. En tout cas, ça avance. Donc, surtout, on est d'accord. Toutes les côtés normalement qui devaient être positifs pour la Guinée, pour un président, ce que vous avez remarqué, c'est le projet, la circulation et l'électrification. En tout cas, ça y va dans l'intérêt des Guinéens. Où
ces côtés-là. Où vous avez mis les hôpitaux, où vous avez mis aujourd'hui l'éducation guinéenne, où vous avez mis cela. Monsieur Silla, c'est ça. Enchanté. Monsieur Silla, tout n'est pas rose, au fait. Voilà. Alpha Condé fait une évolution vraiment dans ce sens où c'est les étrangers, au fait, qui connaissent les valeurs de Alpha Condé, au fait. Les Guinéens en personne minimisent Alpha Condé de tel point que, oui, on ne se rend pas compte. C'est comme si Conte, souvenez-vous, hein, quand Conte était là, tout le monde le détestait. D'accord, on est d'accord? Conte dit, quand je quitte ici, vous allez me chercher, vous allez pleurer, vous n'allez pas me trouver. C'est juste ça, moi. Dadis aussi était là. Hein? Mm-hmm. On a fait la guerre à Dadis. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit. C'est un militaire, faisant en sorte qu'il puisse quitter. On va rester dans ce sens que Alpha Conte aussi vient. On fait la guerre à Alpha Conte. Il faut qu'il quitte. Mais. Par rapport à quoi on veut chercher tout notre président, en fait, tout ce qui vient, tout président qui vient, on veut qu'il dégage. C'est pas dans ce sens, en fait. Battons-nous, en fait, pour l'épanouissement de la Guinée, pour que la Guinée puisse être de l'avant par rapport aux autres pays, mais ne créons pas la division. C'est ça, mon... Ne créons pas la division. Ça n'est pas avantageux pour nous, les Guinéens. Nous savons tous que si... dans un pays, des ethnies sont opposées, ça amène des révoltes, la guerre, ça amène du tout. Sans vous couper, vous avez dit que le Guinéen ne connaît pas, c'est-à-dire ce que Alpha Condé n'est pas avantageux. Ouais. Non, il n'est pas avantageux pour les Guinéens par rapport aux étrangers. C'est ce que vous avez dit. Non, vous n'avez pas compris. Je dis bien. Mm-hmm. Les Guinéens qui sont en Guinée, ils ne connaissent pas les valeurs de Alpha Condé plus que ceux qui sont en étranger. Maintenant, pourquoi les Guinéens qui sont en Guinée ne connaissent pas la valeur d'Alpha Condé plus que ceux qui sont à l'étranger? Je vais vous répondre ceci. D'abord, vous, en tant que père de famille, est-ce que vous pouvez laisser votre famille, vos enfants qui sont dans la maison, à la maison avec vous? Vous pouvez laisser vos enfants crèver de faim, aller nourrir les enfants d'autrui. Est-ce que ça, c'est le travail d'un bon père de famille? Vos enfants qui sont avec vous, qui habitent avec vous, ne regardez pas les commentaires. Sinon, non, vous allez vous égarer. Donc, pas du tout, t'inquiète. Est-ce que vous, en tant que père de famille, vous avez des enfants, vous vivez sur le même toit avec vos enfants. Vous privez vos enfants là de les nourrir. Maintenant, vous montrez aux enfants d'autrui que vous êtes un bon père de famille. Pendant que dans votre propre famille, vous n'arrivez pas à vous occuper de vos propres enfants. Est-ce que ça, c'est le rôle d'un bon père de famille? Répondez à la question. En fait, je ne comprends pas votre question, en fait, par rapport à quoi vous posez cette question. Mon frère, c'est que je vous explique en par bref. Par rapport à quoi vous posez cette question, c'est tout ce que je veux savoir. En bref, quand vous dites que Alpha Condé, les Guinéens qui sont avec lui en Guinée ne connaissent pas sa valeur, par rapport aux Guinéens qui sont à l'étranger ou par rapport aux autres pays, la question, elle est simple ou la réponse, elle est simple. Nous prenons encore un exemple pour vous aider. Quand Dadis était au pouvoir, Dadis est venu au pouvoir. Dadis, pas un exemple sur vous. Dadis est venu au pouvoir. Il a fait juste 10 ou 11 mois. En décembre, il a été victime de tentative de meurtre. Les travaux que Dadis a fait en espace de 11 mois en Guinée, tous les Guinéens ont vu cela. Les Guinéens se sont opposés contre Dadis sur la seule question de ne pas se présenter aux élections présidentielles. C'est pourquoi les Guinéens ont dit non à Dadis. Est-ce que vous comprenez? Mais tous les Guinéens aujourd'hui sont conscients et quand Dadis était en place, il a fait de son mieux et personne ne critiquait Dadis. Tout le monde a dit que Dadis, c'était un bon président. Mais les gens étaient contre son idée de se représenter. Et aujourd'hui,
le président, votre président du RPG, Alpha Condé, qui dirige le président de tous les Guinéens. Le président de tous les Guinéens. Bon, moi, ce n'est pas mon président parce que mon président, ne falsifiera pas. Mon président ne falsifiera pas. Je ne considère pas que guinéenne. C'est Alpha Condé, ton président. Non, ce n'est pas mon président. Ce n'est pas mon président. Il a modifié la constitution. Ok, je n'ai pas voté pour lui. Tu peux attendre en 2000 pour ton président, mais en tout cas, le président de tous les Guinéens, c'est M. Alpha Condé. On est d'accord. Moi, ce n'est pas mon président. Donc, si la population guinéenne n'est pas dans les mêmes idées optiques que lui, c'est parce qu'il ne fait rien pour eux. Il ne fait pas assez. Les secteurs clés pour développer un pays, les promesses qu'il a tenues, les fausses promesses qu'il a tenues. Je vous mets ici parce que vous venez d'arriver. J'ai mis des vidéos là ici. Vous allez l'écouter. Des promesses, des milliers de promesses qu'il a tenues. Écoute, monsieur Silla, s'il vous plaît. Tu sais, être président là, c'est trop compliqué. Même être père de famille là. Tu as des enfants, ils peuvent te dire, il y a des enfants qui peuvent te dire, papa n'est pas bien, il n'est pas gentil avec moi. Mais la majorité, c'est comme, quand même, c'est comme Macron aussi. Écoute, ça c'est le partout au monde. Non, c'est comme Macron aussi. Il est détesté. Non, on ne peut pas. Majorité. Écoute. C'est des pays développés. On ne doit pas comparer. On ne parle pas de pays développés. C'est de partout. Être président là, c'est pareil de partout en fait. Les pays sont égaux. Au fait, Macron, il est tellement détesté ici, il met des politiques en place. Mais vous savez, vraiment, vous savez que la France est plus jolie que la Guinée. La France est plus jolie que la Guinée. Non, on n'en disconvient pas. On n'en disconvient pas cela. Donc, ne comparons pas la Guinée à la France. Maintenant, pour vous, le pays est en avance parce que il y a le courant 24/24 et vous dites qu'il y a les panneaux de signalisation. C'est ça, hein? Et après, c'est tout? Non, mais excuse-moi, je vais te laisser là. Je te dérange. Il y a votre femme qui dit de vous couper, là. Ouais. Madame, ne vous gênez pas, hein? Madame, hein? Ne vous gênez pas. On ne va pas manquer de respect au patron. On parle en tant que Guinéen, hein? Mais il faut qu'on sache qu'en Guinée maintenant, il faut qu'on accepte la vérité. Tous les Guinéens, de qui que tu sois, proche du pouvoir, ceux qui sont en train de manger là, ceux qui sont en train de faire nem-nem là, il faut qu'on accepte la vérité. Merci, bonne soirée. Hein?